Depuis un an, les spéculations allaient bon train sur le successeur de John Galliano, évincé pour un jeu racial, à la direction artistique de Christian Dior. Maintenant, c'est officiel, à 44 ans, le discret belge Raph Simons prend les rênes de la maison Avenue Montaigne. De ses débuts comme créateur de mobilier à sa collaboration avec Jill Sander, en passant par la création de sa marque éponyme de mode masculine en 1995 et une carrière d'enseignant de mode à l'Université des Arts Appliqués de Vienne, Raph Simons prône une maîtrise des coupes et une utilisation insolite des matières au sein d'une véritable réflexion sur la modernité. Comme en témoigne la récente exposition que lui avait consacrée le Festival de la mode à hier. Je pense que les deux ou trois dernières saisons, Raph a vraiment pensé à la haute couture du demi-siècle, en prenant ses références et en les rendant plus modernes, notamment grâce à des tissus très intéressants et insolites. En mars dernier, après 7 ans comme directeur artistique de Jill Sander, Raph Simons a livré une dernière collection aux accents New Look. Présage de sa future collaboration avec Dior, ou plutôt une démonstration en apothéose de son style simple, féminin et épuré, salué par la critique. Parions que désormais, son regard bleu acier se posera avec la même audace sur la maison Dior. Rendez-vous en juillet pour sa première collection de haute couture.